dans la garde, ses partenaires, là, quoi, il a des grippes. Il a les mains sur moi, par là ou plus haut, peu importe. Ouais. Mais, ouais. Alors, ça va dépendre de ses grippes. Souviens-toi, si la grippe là, comme ça. Ça, c'est intéressant. D'accord. Ou, à l'inverse, hein, c'est mieux encore. Hop, je passe ici, je passe là, hop, je ramène mon menton. Et je ramène derrière. Maintenant, on prend, tu vas voir tout le jeu où tu vas prendre un 2. Hein. Si je prends ici, là, il est solide. Si j'ouvre là, ça devient plus dur pour lui. Mais je vais être obligé après de le ramener. Donc, il faut avoir un jeu à partir de là. Parce que j'essaie d'enlever les deux comme en loot-up. Les deux? Ouais, tu vois, les deux mains qui... Comme ah, on ne fait pas. Ah, voilà. Là, ouais. En loot-up, ça a du sens. Là, la grille qui va être ici est un peu solide. C'est bon. Ah non. C'est pour ça que vous allez prendre un 2-1 ou colle main. Comme ça, j'ai cet angle-là. Et je vais chercher à ramer. Quand je vais chercher à ramer, je vais lui mettre une contrainte pour qu'il ne puisse pas bien revenir ou être très solide. Donc, dès que je vais être ici, je vais tenter de ramener là. Bien sûr qu'il va remonter. Moi, mon truc, c'est d'aller prendre un meilleur grip après. Là, tu vois, j'ai un truc intéressant. Je peux l'ouvrir. Mais bien sûr que là, c'est l'enfer. C'est super dur. Les mecs vont être solides. Et en plus, ils vont se mettre dans certaines types de postures. Là, il est cool. Moi, par exemple, tout à l'heure, il y a Dams qui a essayé de me casser. Et moi, j'avais pas la main comme ça, mais la main comme ça. Boum, non, carrément. Et donc, vu qu'il voulait se redresser vers moi, en fait, il se crevait lui-même. Donc, l'idée, quand c'est ça, c'est je vais casser, hein. Par contre, il ne va pas se laisser faire. Donc pensez bien. Hop, allez reprendre des grippes. Et remonter les jambes.